cette année, la Ligue 1 Uber Eats nous a donné une mission extrêmement importante et très confidentielle. Mais vu qu'on est des balances, on va tout vous dire. Pour ce partenariat avec la Ligue 1, notre mission est très simple. Trouver la meilleure ambiance du championnat. Vous allez voir qu'on a pas mal de points à donner avec un barème à respecter. On va tout vous expliquer. Bienvenue dans le championnat des tribunes. Épisode numéro 2 du championnat des tribunes. Et la question qu'on se pose avec Lucas, est-ce qu'on met encore des chats noirs? Ah, parce que vous avez vu épisode 1, on est parti à Reims, ils ont perdu. Ils ont perdu. On est parti à Clermont, ils ont perdu. On vous rappelle le concept, on doit noter les supporters. Donc on se déplace voir les matchs, on a un petit sonomètre. On doit noter sur 5 l'accueil. L'ambiance, tout ce qui entoure le stade, tout ce qui se passe en termes d'animation, etc. Dans les commentaires, proposez le stade où on va venir avec Lucas. Nous, on va le proposer à la Ligue. On va aller en direct. On aimerait bien aller là. On va aller à Strasbourg ici. Et ensuite, on va lire tout ça. On vous rappelle que c'est un vrai championnat. Ah bah oui, non, parce que les clubs gagnent des jeux à mort, bien sûr. Ils ont des trucs à gagner. Donc du coup, c'est important. Notre vote est important. Le vote d'autres créateurs, parce qu'on n'est pas tout seul à le faire, est très important. Donc on prend la mission au sérieux. Du coup, le pré-match du jour, Nice Lens. Oh là, contexte. Dernier match avant la trêve. C'est vrai. Dernier match avant Noël. Match coup près. C'est vrai. Match tendu. Un match. On vous raconte tout ça. C'est parti. C'est quoi, faire n'importe quoi? Bien sûr que oui, bien sûr. Le but, c'est pas de se faire une cheville quand même. Non. Hein, l'OGC Nice, ont été trop gentils, ils nous ont donné des petits bonnets de Père Noël. Oui. Ouais. On va faire un. Viens, on fait une course. On fait une course. On fait une course. On fait une course. Allez, là, je suis pas stable. Je suis pas du tout stable. Hey, salut. On est vraiment dans une ambiance Noël, bon enfant, bon délire. C'est lourd. Ça fait plaisir. Là, tu vois, ça nous met dans un bon mood avant le match. Mais moi, je suis content, je veux rester encore. Là. Mais de fou. Mais moi, je veux rester jusqu'à. Là, ils nous ont dit ouais, faut aller faire l'échauffement des joueurs et tout. Mais on est bien là. Bah oui, on n'a pas fait. La pétanque. On n'a pas fait la pétanque, on n'a pas fait le basket, il y a encore plein de trucs. C'est génial. C'est génial. C'est trop, trop bien. Franchement, Nice. Très bon point. Ça marque des points. Ça marque des points. Échauffement des joueurs. Allez, 3, 2, 2, 1, on est toujours là. Oui, c'est raté. On rappelle le record du PSG, il s'affiche juste ici, juste ouais, en bas. Oui. Je pense que ce soir il sera battu. Oh, je me mouille, je me mouille. Un but de Nice, le record est battu. Je me mouille. C'est bon. Le record est battu ce soir par les supporters niçois. Quel est ton pronostic, Lucas? Mon pronostic 119, 120 par là. Ça va gueuler ce soir. Oh. Ouais, j'annonce ce soir ça gueule. Oh là là. Ouais. Moi je dis 115. Ça fait une minute que ça joue et déjà ça pousse, les supporters sont jaunes. Quand on vous dit ce soir ça blague pas, première minute de jeu, 104.3, ils sont chauds. Il y a un but, ça explose. Ça c'est sûr, ça saute. Oh, le sauvetage incroyable! On a combien? 107 de moyenne! 107
qui s'appousent dans ces dernières minutes avant la mi-temps. C'est eux qui ont le ballon. Allez, saute, allez, belle. Oh, il avait. Oh, allez. Non. Tom Corner pour le gym, est-ce que t'es prêt avec le 100 mètres? Je suis prêt avec le 100 mètres. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh, le poteau, le poteau, le poteau, c'est pas fini. Oh là là, ça y est, le match s'emballe. Allez, 60ème minute, allez. C'est pour Nice. Et pourquoi pas? Est-ce que le record c'est maintenant Tom? C'est Mofi qui va tirer. En tout cas on est prêt. On joue la 75e. C'est un pénalty important. Il y a 0-0. Contact à l'OGC Nice, ouais. Qui s'appelle Gaëtan Abord, qu'on a attrapé à la fin du match, ouais. Et il nous a dit attendez-moi dans les zones officielles, juste à côté du vestiaire, je prends ma douche, je viens vous voir. Un maillot. Il nous a ramené son maillot du match. Déjà, merci. Magnifique. Mais c'est Gaëtan, il sait qu'on est gardien et qu'on adore un gardien de l'OGC Nice qui s'appelle Salvatore Siri. Donc il nous a aussi ramené son maillot. Mais il nous a pas dit que ça. Il nous a dit bougez pas, bougez pas. Salvatore, il finit sa douche, il vient vous voir, il discute avec vous et il signe le maillot. On attend. On peut attendre très longtemps, c'est pas grave. Non, non, jusqu'à 1h du matin. Pas de problème. Allez, à tout de suite avec le copain. Ça va. Si c'est pas bon, ça. Signature de Salvatore et signature de Gaëtan Laborde. Écoute, je pense qu'on va retourner à Paris. Oui. On se retrouve au bureau, c'est parti pour et on met les notes. A tout de suite, let's go. C'est parti, nous passons en mode proftif. Exactement, Lucas. Ambiance. Ambiance du match, sur le village qu'ils ont préparé. C'était sur le thème Noël. Ils ont été très bons. Il y avait une patinoire. Ils ont été très très bons parce qu'on a vraiment ressenti ce mood village de Noël. Exactement. C'était hyper bon enfant, magnifique, hyper bonne ambiance. Tout le monde rigolait. Alors qu'en vrai, ça pouvait être un match tendu, mais. Ah, c'était une ambiance trop chill. Donc là-dessus, pour l'instant, on est vraiment très très bien. Non, non, franchement, l'ambiance village, top, top, top. Je pense que c'est, on est qu'on se le dit, c'est le meilleur qu'on ait fait. Ah oui, c'était vraiment génial. Voilà, simplement. Après, avant le match, Issa Nissa, Nice, c'est l'aigle. Incroyable. Magnifique, l'aigle qui fait le tour du stade et qui vient se poser au milieu du terrain sur le bras d'un braconnier, c'est ouais, ça qu'on dit, ça. Je crois. Ouais. Incroyable. Et... ça met une ambiance, encore une fois, tu vois, en termes d'ambiance. Ambiance de Noël, on était là. Ambiance avant match, on était là. Et ambiance de match. Ambiance de match, incroyable. Ils ont tout pété. Ils ont tout pété. Ils ont le meilleur score. Ils ont été trop cool avec nous. Vraiment, on était niçois. On était niçois. Donc merci les supporters niçois magnifique. Pour votre accueil. Merci le club de Nice pour votre accueil. En plus, on a eu petite cerise sur le gâteau. Ah bah évidemment. On a récupéré le maillot du poteau Gaëtan Laborde. Exact. Et même de Salvatore. Et il nous a fait une surprise. Salvatore Sirigu nous a ramené son maillot aussi et c'était magnifique. Et pour tout ça, mesdames et messieurs. Nous avons choisi avec Tom de mettre la note de 5 sur 5. C'est la meilleure note possible qu'on puisse donner. Il y avait tout.
carrément, j'ai des frissons en disant la note de 5 sur 5 parce que c'était vraiment. La soirée était parfaite. Ouais, c'était magnifique. C'était vraiment. C'était aucune magnifique. Fausse note, donc on peut pas mettre moins en fait. Non, on peut pas du tout. On ouais, peut pas mettre moins. Ils sont premiers du classement en termes de décibels pour l'instant. 5 sur 5. 5 sur 5. Niçois, bravo. Vous repartez avec les félicitations du conseil de classe. Ouais. Et maintenant, match numéro 2. Match numéro 2, Le Havre contre Lyon, Stade Océane. Grosse affiche. On y va ? Let's go. Le Havre. C'est parti. On vient vous noter. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Stade Océane, Lucas. Nous sommes au Havre, toujours pour le championnat des tribunes. Match du jour. Exactement. Le Havre-Lyon. Évidemment. Vous allez voir, trop cool. Il y a pas mal de petites animations. Exactement. On les emmène avec nous. Est-ce que les supporters sont chauds ce soir ? Est-ce qu'ils vont être bouillants ? Le score à battre, c'est Nice. 117, c'est ça ? Que vous avez vu il y a à peine 3 minutes. Exactement. Ils sont premiers du classement. Est-ce qu'ils vont passer devant ? On ne sait pas. En tout cas, pas mal d'animations exact. Ce soir, notamment un show pyrotechnique des supporters. Ils sont là, là, ça va être très très chaud. On y va ? Allez, c'est parti, let's go. Là, je vous explique. Dans les animations qu'on vous propose au Havre, il y a le saut pour toucher le ballon de la tête. On va essayer, bien évidemment. Je vais mettre un tout petit peu de haut. Non, c'est impossible. Impossible ? Impossible. Impossible n'est pas chiffre. Impossible n'est pas chiffre. Oh, chambon, aime. Et c'est un faux départ. Avant que le match commence, il faut qu'on vous dise que le stade Océane, c'est un stade qui est fait un peu à l'anglaise. Donc vous voyez, entre le terrain et les supporters, la petite bande bleue que vous voyez là, bah, elle fait genre 2m50. Donc on est vraiment collé aux supporters. Vraiment collé aux supporters. Ça va être pas mal. Ça gueule déjà pas mal. Si on est que sur l'annonce des joueurs, regardez leur max pour l'instant, il est à combien ? On est quasiment à 108. Le match, il a même pas commencé, les gars. C'est incroyable. Et le fait d'être près des supporters, vraiment, je pense que ça va tout changer. Ça va tout changer. Ça fait 5 minutes que ça joue. Les supporters, ils mettent déjà de la voix. On est à 103. 103, c'est quasiment meilleur que des équipes qu'on a déjà faites avant. Ça promet, les gars, ça promet. On va donner une petite écharpe. Je la prends, les gars, un cadeau, ça se refuse pas. Merci les supporters, Jack. De cette première mi-temps. Une grosse ambiance déjà, une grosse ambiance ici au stade Océane. Franchement, le fait d'être collé aux supporters comme ça, ça amène vraiment une ambiance en plus. On sent ce soir que le 12e homme est présent. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Et nous aussi on est le 12e homme. Ah ouais, nous on est bien. Allez, deuxième mi-temps, à tout à l'heure. Match a repris, deuxième mi-temps. Le Havre, il pousse déjà. Là, la deuxième mi-temps, ça promet les gars. On est déjà à 100 piles. Oh,
pensais que Lyon allait revenir à 2-2, mais non! Ils ont pris ça à 3! Incroyable! Quel match! Un match de fou! Un match de fou avec des buts de fou! Surtout le dernier but là, c'est incroyable! 3, on est qu'à la 65ème minute! Et là, on entend encore les supporters! Et voilà, j'ai rien à dire. Il parle pour moi! C'est magnifique! Arthur Desmas, c'est lunaire, c'est incroyable, voilà. Bon bah maintenant ce qui se passe c'est qu'on va se retrouver au bureau et on va mettre les notes qui vont encore une fois être, je pense, excellent, très bonnes. Allez, salut. C'est parti pour les notes du hack. Prof Sif, nous sommes de retour, le conseil de classe ouais. Du hack en termes d'animation. C'était cool, c'est ce qu'il faut dans un petit terrain de foot, un baby foot, carrément. Le jeu où tu m'as battu, ouais. Les coloriages, tu peux sauter, il y avait une play. Ouais. Donc en vrai, ça fait quand même pas mal d'animations. Ouais, ça fait 6 animations, il y avait franchement pas mal de grosses animations. Ensuite, bord-terrain, bord-terrain magnifique. L'ambiance commence, ils ont un chant. Au moment où les joueurs rentrent. Au moment, ouais, c'est ça, ils ont un chant, donc magnifique, et ça, c'est tout le stade qui chante. Ouais. Et là, en termes d'ambiance, vu qu'on est collé à eux. Ah, c'est franchement, c'est un bail. Avant le match, vu que c'était sur ce match les 40 ans du COP, ouais. Ils ont décidé de mettre 40 000. En fait, il y a une animation qui a été proposée par le club auprès du préfet et de la ligue. Donc, tous ces fumis en fait ont été validés avant. Parce qu'on dit souvent, ouais, les fumis c'est interdit, machin. Les fumis, si c'est validé par le club, par le préfet et par la ligue, et que surtout c'est encadré correctement par des équipes de sécurité, on est bon. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Donc, franchement, le coup du fumis, bravo. Ouais, magnifique. C'était ouais. Vraiment très très cool. En termes d'ambiance, tout de suite, les Havrais, ils ont mis la voix. On était toujours autour 105, de 100, hein. 103, 105, 107. Bien sûr. Et ça a duré comme ça tout le match. Tout le match. Et les supporters Havrais, ils ont été hyper cool avec nous. Encore une fois, ils nous ont filé des écharpes. Et tout. Mais oui, c'est vrai que quand t'as le but côté Havre et que les joueurs célèbrent avec le club. Ouais, ça envoie, franchement, ça envoie. C'est beau, enfin, je trouve ça trop cool de se dire pas que dans des stades comme ça, ouais. Peut y avoir de l'ambiance, qu'on reste pas non focus en mode ouais, les meilleures ambiances, c'est Level, le PSG, ouais, voilà, entre guillemets, sûr, les gros clubs. Il y a de l'ambiance partout en France, et moi, ça m'a fait trop plaisir de découvrir une grosse ambiance comme ça avec des supporters super investis au Havre. Et du coup, maintenant, nous allons. Oui, on va noter. À la note. Bien évidemment, Lucas. On va noter le Havre, du coup, note globale sur 5. Et nous allons mettre la note de 4 sur 5. 4 sur 5, bah très oui, bonne évidemment, note. Très très bonne note. L'ambiance, il y avait tout. Tout au rendez-vous pour passer une très bonne soirée au stade Océane. Et en plus, ils ont gagné. Donc, ils ont gagné. Nice a gagné, le Havre a gagné. On n'est pas des chats noirs. C'est pas de notre faute si vous perdez. On n'est pas des chats noirs. On n'est pas des chats noirs. La team family, c'est la fin de cette vidéo. Yes. Si vous avez kiffé, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, vous mettez un pouce bleu. Et comme on est chez nous d'ici là, hasta plus.